Venez, venez Maxime, tout près de moi. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Je vais bien, et vous? Oui, très bien. Enfin, et nous on va mieux, on va j'ai mieux dit que... vous. On va mieux que, je crois que vous commencez avec un divorce ce soir. On se partage les cadeaux. Oh my God. We just broke a story on the website that Angelina Jolie has filed for divorce from Brad Pitt. She has cited irreconcilable differences. Mesdames, messieurs, c'est horrible, Angelina Jolie et Brad Pitt divorcent, 12 ans de vie commune, mais pourquoi a-t-elle demandé le divorce? Oui, parce que c'est elle qui a demandé le divorce. Pardon. On y revient dans un instant, mais d'abord une question. Imaginez le truc quand même. Quoi? Vous êtes plaqué par votre femme, oui. Par votre copine, oui. Le monde entier reçoit une alerte sur son iPhone. Bah oui, bah oui. C'est quand même un truc... Oui, mais ce qui est bien, c'est... Je te plaquerai un jour, Patrick. Et le monde entier recevra une alerte. Ce qui est bien, c'est qu'elle est célibe maintenant quand même. Oui, c'est ça. Voilà. Mais on va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant. J'ai d'autres choses pour vous et d'abord une question existentielle. Vous êtes prêts? Oui. Voici la question. Qu'est-ce qu'être français? Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeune français, à le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Nicolas Sarkozy en meeting hier soir, il ne veut pas entendre parler d'intégration, mais d'assimilation. Et vous l'avez entendu, je le cite, « Au moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Vous oubliez tout le reste, d'où vous venez, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. » Nicolas Sarkozy, attaqué, critiqué aujourd'hui pour cette sortie, à droite et à gauche. Oui, il y a parmi nos ancêtres des Gaulois, il y a aussi des Romains, des Normands, des Celtes, des Burgondes. Et puis, au cas où ils l'auraient oublié, avec le temps, la France a annexé d'autres territoires et les Niçois nous ont rejoints, les Corses, les Franc-Comtois, la Guadeloupe, la Martinique. Et puis après, aussi des Arabes, des Italiens, des Espagnols. D'accord, donc c'est ça, vous la dites, France. Il doit... Une personne qui vient d'un territoire étranger à la France a d'autres ancêtres que les Gaulois. Nos amis martiniquais ou réunionnais se retrouvent totalement dans cette définition-là, qui n'est pas celle de la France. J'ai un grand-père pied noir. J'ai une arrière-grand-mère brésilienne. Mais je me sens, avec toutes ses racines, pleinement, entièrement, fièrement français. Vous entendez les critiques et vous avez entendu le petit cours d'histoire de Najat Vallaud-Belkacem à Nicolas Sarkozy. J'ai un autre cours d'histoire pour vous. Il date un peu. 1987, la France, les Gaulois et François Mitterrand. La réponse de François Mitterrand, entre guillemets, à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui creuse, Patrick, au fil de ses discours, un sillon toujours plus à droite. Oui, évidemment. Alors, trois remarques là-dessus. D'abord, c'est une absurdité historique. C'est un anachronisme assez stupéfiant. Ça fait au moins un demi-siècle que plus personne n'impose aux Français venus d'ailleurs ou aux Français de s'en mêler, comme le disait Sarkozy lui-même en 2007, de renier leurs origines ou leur identité. Henri Salvador, déjà dans les années 60, se moquait de cette expression « nos ancêtres les Gaulois » en prenant l'accent martiniquais. Salvador, antillais, né à Sinnamary, en Guyane, on repart très loin en arrière. Deux, ce sont les mots du Front National. C'est sur cette France fantasmée, c'est sur la nostalgie d'une France qui, en réalité, n'a jamais existé, que prospère la famille Le Pen depuis 40 ans, la France du droit du sang, plutôt que du droit du sol, que le FN veut abroger et que Nicolas Sarkozy, précisément, veut réformer. Trois, c'est pas un dérapage. Nicolas Sarkozy sait parfaitement où il met les pieds. Il sait de quel électorat il a besoin pour gagner la primaire des 20 et 27 novembre. Il sait qu'en disant cela, il provoque, il transgresse, il fait réagir, il organise le débat public autour de lui, autour de ses phrases. Son challenger, principal challenger, Alain Juppé, était l'invité de France Info ce matin pendant une demi-heure. Vous en avez retenu quelque chose? Non. Voilà. Et il reste deux mois de campagne des primaires. Voilà, ça promet. Il reste deux mois de campagne des primaires. Oui, deux mois. Et j'en viens dans 5 sur 5 à cette nouvelle terrible qui a secoué la rédaction de C'est à vous cet après-midi. Oui, c'est fini. Before we start... Uh-oh. Uh-oh. Don't laugh at me.
something has happened in the world that I just feel so upset about. Uh-huh. Just, yeah. Just before we went on the air, some news broke on TMZ and also corroborated by CNN. And that's really corroboration. After 12 years together, 2 years of marriage and 6 children, Angelina and Brad are breaking up. Whoopi Goldberg ne s'en remet pas, Angelina et Brad Pitt divorcent, 12 ans qui s'évanouissent comme ça en un seul petit rendez-vous chez le juge. Bonsoir Laurence Piau. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice de la rédaction de Closer. On a besoin de vous ce soir pour comprendre ce qui s'est passé. D'après le site américain TMZ, toujours très très bien informé, c'est elle, c'est Angelina Jolie qui a demandé le divorce hier seulement. Pourquoi? Voici la réponse. But we know that the reason has to do with the children. That this is a situation where she is extremely upset over something Brad was doing with the kids, or at least she's alleging Brad was doing. Elle ne supportait plus la manière dont Brad voulait élever leurs 6 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il y a, alors, c'est la raison un peu officielle. C'est, ah. C'est, effectivement, il y a un désaccord depuis le début avec eux, sur le fait qu'elle promène ses enfants un peu partout dans le monde, qui commencent à devenir grands, qui ont un peu besoin de stabilité, et Brad Pitt commence à trouver ça dangereux. Et il trouve que ses enfants ont besoin de stabilité. Donc, effectivement, il y a un désaccord qui est persistant entre eux depuis plusieurs années. Et ça, vous dites que c'est la raison officielle? J'attends les c'est autres. La raison, alors, c'est la raison, oui, c'est la raison la plus communément avancée. Ouais, maintenant, il y a d'autres raisons qui commencent à arriver, à sortir aux États-Unis. Ah. La première, femmes. C'est... Non. Donc, on verra peut-être après, mais... Pourquoi un peu plus... Ces accusations. Mais oui, un peu plus, peut-être. C'est non, pas il y a le fait qu'elle trouve qu'il ne la soutient pas vraiment. Ils ont tourné un film ensemble l'an dernier. Elle a réalisé ce film. Il a fait 0 promotion de ce film. Il a fait vraiment un strict minimum. Un tout petit peu. Oui, il a fait 90%. Il a refusé des interviews à Los Angeles, ce qui était quand même assez étonnant. Donc, voilà, elle trouve qu'il n'a pas vraiment soutenu. Ça a fait un bide terrible. Ouais. Et puis, il y a quand même des gros soucis d'addiction à l'alcool. Ça commence à sortir aux US. D'ailleurs, ils s'en cachent assez peu. Il a des addictions. Soucis. Et d'ailleurs, dans une des raisons invoquées par les avocats d'Angelina Jolie récemment, c'est le fait de dire qu'elle fait ça pour le bien de sa famille et pour protéger ses enfants. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle demande... c'est un couple qui est quand même très... Enfin, qui est très, très attachée au bien-être des enfants. Elle loue les qualités de père de Brad Pitt à longueur d'interview. Et elle demande la garde exclusive. Et tout à coup, elle demande la garde exclusive. Elle lui accorde juste un droit de visite. Mais il n'a pas le droit d'être en week-end. C'est ce qu'elle réclame. Absolument. Mais elle est très... ça ne ressemble pas vraiment au couple, qui est plutôt dans quelque chose, dans une attitude un peu cool, un peu conciliante. Le fait qu'il y ait cette attitude extrêmement stricte d'Angelina Jolie à propos de la garde des enfants, cache probablement d'autres choses. Comment ils se sont rencontrés? Ils se sont rencontrés sur un tournage. Il a quitté Jennifer Aniston pour elle, ce qui était un drame absolu. Angelina en début, qui a brisé le couple, Jennifer absolument. Aniston, Brad Pitt. Oui, qui a été. J'adore parler de tout ça. C'était quand même très très. On voit ça, oui. C'est pas au point surtout, parce que ça, on le savait depuis longtemps. Oui, mais il pose des questions, il donne les réponses. Vous avez déjà en à peine 12 heures. Oui, enfin, après, les TMZ est quand même un site de référence. Ils ont sorti. En fait, pour tout dire, le site américain TMZ, ils ont récupéré le document qu'a signé Angelina hier devant la justice américaine pour réclamer le divorce. Donc, on a les raisons du divorce, tout ce qu'elle réclame, etc. Voilà, et les avocats ont confirmé. Mais c'est quand même quelque chose qui se raconte quand même depuis à peu près un an dans les tabloïds. On sait que ça va mal. On va vivre donc, combien de temps? Comme quoi, les tabloïds ont raison. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'ils ont fait un tout petit peu, qu'il a accepté un tout petit peu de faire de la promotion vraiment très légèrement l'année dernière pour le film qu'ils avaient fait en commun, By the Sea, je crois que c'était Chambre avec vue en français, quelque chose comme ça. Exactement. Quelques rares interviews, on a un petit extrait. This is what 10 years of marriage will do to you. Come on. Please don't. Do it. Stop! Stop! Here you have one of the most secure marriages in Hollywood. And this is about the two of you in a deeply troubled marriage. Was this a big risk on your part? Well, I think, one, I'm counting on the audience to know that if it was close to us at all, we could never make this film. It's because we're actually very, very stable. Ah bah oui, tu m'étonnes, on est d'accord. Oh, c'est fini. Bah attendez, pourquoi est-ce que depuis 10 ans, on parle, et vous parlez notamment aussi dans Closer, autant de ce couple-là?
Bah c'est un des rares couples, c'est un des rares couples qui a un rayonnement comme ça mondial. Il est extrêmement glamour. Donc c'est vrai que vous parlez de Brad Pitt et Angelina Jolie partout dans le monde, tout le monde les connaît. Et c'est aussi un couple qui a grandi ensemble. Quand ils se sont rencontrés, elle avait justement cette image de briseuse de couple, une image un peu très, très wild. Elle avait fait des tentatives de suicide, elle affirmait sa bisexualité, etc. Elle s'est... Ils ont eu cette histoire ensemble, ils ont grandi ensemble, elle a eu l'engagement humanitaire qu'on connaît, ils ont pris de l'épaisseur ensemble, elle a réalisé des films, lui est sorti un peu de son image de gros beauf, de sex symbole un peu américain, en affirmant son intérêt pour l'architecture. Et ils ont investi en France. Ils sont partis. Hein, oui, ils sont partis. C'était plutôt le trip de Brad Pitt, hein, Angelina Jolie, le côté un peu. Le Var. Fabrique mon vin et tout, apparemment, c'était pas. Et juste encore une petite question, est-ce que ce divorce est un risque pour la carrière de l'un ou de l'autre? Alors, est-ce que le fait de ne plus être ensemble, ils ont un peu moins monétisé? Il est inquiet, Max. Bah oui, attendez. Il a 200% sur le sujet. Attendez. Vous aimiez bien le sujet, Patrick, aussi. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, c'était à Donf. Pas ce point-là, mais... Non, je pense qu'ils vont très bien l'un et l'autre. Leur carrière est faite, leur fortune aussi. Elles ne demandent pas du tout d'argent. Elles ne demandent même pas de pension alimentaire. Mais ça va faire la fortune des magazines People, là, ce divorce-là. Pas que des magazines People, des plateaux télé. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, France Inter fait une spéciale demain. Ouais. Demain, spéciale. À Los Angeles, pas tout. À Hollywood. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Laurence, d'être venu en direct ce soir. Merci beaucoup et merci Julien Bugier. Je rappelle, La vie à l'envers, c'est demain soir sur France 2 et à 20h55, suivi du débat. Voilà. Et puis, merci encore. Et bravo encore.